Alors Là, d'abord, il y a c'était déjà hyper une cool. grosse modif. On n'a plus un écran noir basique. Ah Maintenant, oui. on voit un avion où il On nous a dit une qu'il y a espèce trois de matchs identifiés, GPS. où ils nous disent qu'il y a Kevin, Thomas. Sally ou Thomas qui peuvent Oh! potentiellement être des réceptacles pour redonner la vie à notre fils. Oui, t'as vu les âges? Thomas, 4 4, ans, 7 et Sally, 9. 7 ans et 9 ans, Kevin. Oh! Ah bah On appuie? une vie pour une vie, hein. Oh, c'est horrible. On appuie? C'est marqué presse tout confirme. Hein. Vas-y. 3, 2, 1. La cinématique aussi? Ouais. Ok, cool. Ouais, une vie pour une vie, telle est la loi. Tout à fait. C'est horrible, tu te rends compte, pour sauver ton fils, tu vas Ouais. cracher un avion, quoi. En vrai, en plus, tu tues pas une seule personne, parce que là on choque parce qu'on tue une personne. On va tuer tout l'avion? Je viens de caler un truc, je te le dirai après. Ouais. Oh yeah. Ah, petit ajout avec l'onde de choc. Ouais, on avait pas cette onde de choc là. Ah, on a touché quelque chose. J'entends que ça fait du bruit. C'est terrifiant. En tout cas, la vitre est costaud, hein. Elle est blindée, la vitre, à mon patin, parce que Un je an peux te plus dire, tard. l'aile, bat les couilles, hein. Donc, un an plus tard, on va voir ce qui se passe. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Il a toujours ses Rescue, tocs, hein. along with his son Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Ah, Eric Leblanc. Eric C'est nous. Leblanc. Et on est défini comme une TV superstar et survivant de l'extrême. Il a des tocs, notre enfant. Il a. Ouais. Written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Elle est un peu con cette scène quand même, hein. Ça vous dit de recouper du Ouais. bois? Comme à la bonne vieille époque? Vous avez votre hache, est-ce que je vois? Come on, everyone. All of you want to see this too, right? Ouais, mais ça, ils ne savent What do pas you que say? nous, on a fait crasher un avion. Non, bah non, ça non. Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. On dirait qu'il lag le gosse. Oui, il a des lags. I got my axe. Allez, on est parti. Oh, oh, like this? Here we Et go. On coupe du bois. Is he okay? Est-ce qu'il va bien? Eh merde! Franchement, faut appuyer avec ça là. Lance l'âge dans le gosse. Attends. Et non, Hitman. Ça, on l'avait pas, ça. Non. C'est nous, ça. Non, ce n'est pas nous.
Timmy adolescent. Dégueulasse, pour rincer le lavabo. Hein. On les croit et tout, là. Site 2. Mais non. J'ai l'impression que là par contre c'est la vraie fin. Là c'est fini The Forest. Oui oui, là-dessus c'est fini. Là c'est la fin officielle. Donc ce qui veut dire Anto, je crois, qu'il nous prépare un The Forest 2. C'est fort probable. J'ai l'impression ils ont vu le site 2. Moi ce que je pense avec Timmy, c'est renseigné sur l'expérience, tout ça, tout ce qui était fait. Et il s'est rendu compte qu'en fait il y avait une deuxième zone où il y avait des expériences, le site 2. Je suis pas sûr que ce soit la même map. Non, non, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même map. Et t'as vu, c'était trop bizarre. La façon dont c'était tourné, t'avais l'impression finalement que t'allais pouvoir faire jouer en fait. T'as ouais. vu que les médicaments clignotaient. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Comme si tu pouvais les récupérer, les items. Donc je me demande si c'est pas un petit morceau. Putain, imagine, mais imagine Anto qu'il nous fasse quelque chose de plus complexe qui se passe dans la ville et qu'on part sur ce site en question. Ah ben... Imagine aussi pour l'inverse. Tu n'es plus un survivant, tu es un indigène. Oh là là, ce serait incroyable et tu dois essayer de... Ils essayent de trouver un remède pour ces crises de gêne. Écoute, je ne sais pas, dites-moi les copains, qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin sur The Forest? Parce que là, c'est la fin officielle. C'est la fin officielle. Pour yep. moi, ça annonce clairement The Forest 2. Je veux savoir tout de suite ce que vous en avez pensé. Plus de 100, peut-être pas les 100, mais oh. allez-y, dites-moi. Attends, t'as vu ce qui est écrit là sur le machin de Megan? Non. If you file for a divorce, you will regret. Elle a... En fait, c'était sa femme qui disait que s'il divorçait, il allait regretter. Puis elle lui met une photo de Megan. Ah. C'est ce qui était écrit. Timmy a des crises à cause de sa modification. Tu retournes sur l'île, tu devras gérer tes crises avec des médocs, avec la faim, soif, etc. Début de The Forest 2. Moi, le signal sur la ville me paraissait bizarre. Il y aura des super pouvoirs. Oh, je me demande s'il n'était pas dans une ville artificielle. Je pense vraiment pas qu'il était dans une ville artificielle, franchement. Je pense pas que ce soit de l'artificiel, non plus. J'ai vraiment... Alors, je sais pas où est-ce qu'il est notre père, du coup, dans cette histoire. Par contre, il y avait juste un truc trop bizarre. Enfin, il est soit il était dans un délire déjà de base religieux, mais t'as vu, il y avait la croix sur le mur, au-dessus de ouais. son lit. C'est un gros souk aussi, un gros bordel. Un gros ouais. bordel d'adolescent. Mais c'est ça, il pas tort, il cherchait peut-être un remède contre ces crises. C'est pas bête, il cherche peut-être un remède justement. Il cherche oh, t'as peut-être vu à aller la croix, excuse, le yacht. Extra special thanks everyone who participated in the early access release. Ah, mais. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, de rien, de rien. C'était avec plaisir. Non, franchement, le carrément. Jeu était vraiment incroyable. The Forest reste l'un de mes jeux favoris, sans hésiter, ça reste un jeu incroyable pour moi. C'est un jeu qui te retourne, enfin, pas qui te retourne le cerveau, mais tu penses tout du long, en fait, que tu vis une aventure simplement sur une île et tu vas devoir survivre et basta, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup ça, plus. Ouais, il y a tellement plus, en fait, tu t'aperçois pas que un simple c'est jeu de survie. Génétique. Ouais, c'est pas juste ça, quoi. Bah après, donc, c'est un peu le même principe qu'on avait Ark au début. Au début, Ark, c'était un simple jeu de dino, et à la fin, on ouais. s'est retrouvé à avoir une vraie histoire avec une ending et une trame. Hein. Ouais. Grave. Donc, Ah, The Forest 2 sort début 2019, c'est annoncé. C'est vraiment annoncé qu'il sort début 2019? Ça serait incroyable. Si The Forest sort pour début 2019, ça serait incroyable. Après, début 2019, je sais pas. Après, peut-être qu'ils travaillent depuis longtemps, mais ils ont mis tellement de temps à sortir The Forest en édition. Enfin, il est sorti seulement cette année. Pas en early ou quoi que ce soit, il est sorti officiellement cette année, The Forest. Ouais, en stable. Donc, qu'ils nous sortent, bah peut-être ça va partir en alpha, peut-être l'année prochaine. Probable. Mais s'il y a des bugs ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Ils vont sans doute je faire le même principe d'alpha et tout. Ouais, je le referai encore sans hésiter. Le jeu est incroyable.
Cette aventure est incroyable et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et oui, en fait, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à The Forest, en fait, c'était trop bizarre. Coucou Yo-Yo. En fait, c'était trop bizarre parce que, tu sais, tu voyais sur l'avion combien il y avait d'enfants. Et en fait, tu devais techniquement crasher l'avion, en fait, pour récupérer un des corps, pour pouvoir le mettre dans l'artefact, pour pouvoir sauver ton fils. Et moi, je me dis qu'en fait, pour Megan, Timmy, bah en fait, je pense que le père... En fait, au début, je me disais, ils ont crashé l'avion comme des enfoirés et basta. Mais en fait, non. Vu que Timmy est dans l'artefact, je pense que Megan était en train de crever. Le père avait besoin, il a crashé notre avion parce qu'il y avait Timmy à l'intérieur. Oui, oui, c'est moi, ça. Moi, c'était pas... Dans ma tête, c'était pas ça, tu vois. Je pensais vraiment qu'ils avaient crashé l'avion comme ça, tu vois. Vraiment, pour récupérer, pour faire des tests et tout. Mais pas spécialement aussi pour Timmy, tu vois. Ce qui explique pourquoi dans la cinématique aussi, il le récupère dès le départ. Oui, tout à fait. Le jeu était incroyable. Je vois qu'il vous a plu. Je vois dans les messages et tout que vous avez la hype et qu'il vous a plu comme pas possible. C'est cool. Ok, c'est bon. Officiel 2020. Donc selon toi, tu dis qu'il sort en 2019, donc en Early Access. Et en 2020, on aura la version définitive. Écoute, à voir.